Chérie, tu as raison. Tu as été pardonné. Jusque quand la femme se fâche, elle peut nier à tous les dieux qu'elle ne t'a jamais aimé. C'était la colère, j'ai compris. Ah, mais non, je ressens à quelque chose. Bye bye. Je t'habille comme je t'ai dit. Je t'assure. Tu ne te vois là. Tu deviens esclave d'une femme. Tu ne pars pas chercher le travail parce que je suis là. Tu vas souffrir, petit. C'est la femme qui se contrôle elle-même. L'homme ne contrôle pas la femme. Allons, c'est toi? Ça va. C'est comment? Ah. Non, mais qu'est-ce qu'il y a que tu transpires comme ça? Non, on a coupé la lumière, non? Tu sais, quand on coupe la lumière ici, le ventilateur ne fonctionne pas. Il a sueur. Faut tuer quelqu'un. Comment était la journée alors? Tu as trouvé quand même le boulot? Blanche, toi aussi, avec ce genre de tenue, tu transpires. Mais grand, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la chambre, on a coupé la lumière. Avec la sueur sur toi comme ça, tu me parles d'histoire de lumière? On a coupé la lumière, ouais. Merde! Sangalon, le petit là, il m'a coupé le pied. C'est sûr qu'il a lancé la grossesse. Depuis qu'il était là-bas, il n'a pas accepté. Il a attendu quand il m'a coupé les pieds. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quoi que vous fassiez dans la vie où que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Bon, t'appuyer sur Christo. Abraham, t'as tué le seul témoin, Figon Talala, mon parrain à moi. Dinali Pato. Famille, oh! Famille! Je suis très ému. Et c'est avec grande joie que je vous reçois ici chez moi en ce jour, heureux de ma vie. Ma femme et moi avons traversé beaucoup de difficultés. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, tout va bien. Je tiens à vous dire, j'ai pu avoir un grand boulot dans une entreprise de la place, Alpha Group International. Où je suis comme responsable transit. Célébrez avec nous aujourd'hui mes moments magiques. Ce n'était pas facile. J'ai vu le feu. Et ma femme ici, présente, ne me laissait pas. Elle me chauffait. Elle me ridiculisait. Mais comme Dieu ne dort, aujourd'hui je suis un homme. Aujourd'hui j'ai un boulot. Un grand boulot. Je m'en sors grâce à elle. Beaucoup de personnes ont dit dans ce quartier, Sangalon ne peut pas. Le crayon de Sangalon n'écrit pas. Ma femme ici est enceinte. Désormais, on appellera ma femme ici Blanche Mani et moi Tagne Sangalon. Merci. Pour ne pas être trop long, il y a à manger, il y a des bons mets, il y a la boisson. Que la fête commence et que la fête soit belle. Bon appétit. Je pense que ma Blanche a quelque chose à vous dire. Bébé. J'ai à dire mon cœur. Famille, oh. Famille. Je suis réellement heureuse. Je suis touchée. Je suis comblée. Vraiment. Aujourd'hui, c'est un jour heureux pour mon mari et moi. Et je voulais aussi profiter de cette occasion pour m'excuser auprès de tous ceux que j'ai pu heurter dans ma folie. Vous me pardonnez, famille? Depuis, on te pardonne. Depuis. Ah, maman, ma mère, ma dame de fer, elle est présente. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour les conseils. Merci pour m'avoir chauffée.
Merci aussi à toi, ma fille. Maman, ma princesse, merci vraiment pour tout. Parce que sans toi, je ne devais pas être là. Merci vraiment pour m'avoir aussi chauffé. Parce que je voulais quitter ce mariage. J'en avais marre. J'en avais marre. Ne ris pas, il dit la vérité. J'en avais marre. Oh, j'ai envie de pleurer, mais je ne dois pas gâcher mon maquillage. Maman, merci une fois de plus. Famille, soyez les bienvenus. La famille, soyez les bienvenus. Je suis vraiment très contente aujourd'hui. Je suis très fière de moi. Je suis très émue. Merci à toi, Sangalon. Merci vraiment beaucoup. Merci au Seigneur Tout-Puissant. Merci à Dieu qui a compris mes prières, qui a exaucé mes prières. Sangalon, mon fils, je suis très fière de toi. Aujourd'hui, tu es un homme. À toi, Blanche, je suis vraiment très désolée. Si à des moments j'étais offensée, vraiment, pardonne-moi, ma belle fille chérie. Kalagan ici présent, mon fils chéri, le fils de maman, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as toujours fait pour cette famille. Parce que sans toi, on ne pouvait pas être à ce niveau. Tu nous as beaucoup aidés dans cette famille. Et c'est toi le père de cette famille. Sangalon ne va jamais oublier ça. Je veux aussi remercier maman Caprice qui est là, ma petite soeur chérie. Je profite de cette occasion pour te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait, ma soeur. Mais une famille reste une famille. La famille est sacrée. Et Jeanne qui est ici, parmi nous, qui ne m'a jamais aimée, vraiment Jeanne, si j'étais déjà fait un truc qui ne va pas, vraiment pardonne-moi. Parce que s'il fallait que je revienne, c'est tout ce que tu es même parti jusqu'à dire à mes propres enfants, toi ma fille, c'est qu'aujourd'hui tu n'es pas à côté de moi. Donc, ma fille, si j'ai tout fait, j'ai fait n'importe quoi, pardonne-moi. C'est le cœur du mais. Maman Octavie qui est ici présente parmi nous, vraiment grand merci maman. Pendant que j'attachais de mon côté, tu attachais de ton côté. Ça n'a pas été facile pour nous les mamans. La Blanche, toi qui es ma belle-fille, il n'y a pas un mariage facile. C'est le toit qui couvre tout. Aujourd'hui c'est la joie, demain ça peut être le malheur. Vraiment, je sais par quoi tu es passée, mais vraiment Blanche, aujourd'hui tu es mariée avec mon fils. Dis-toi que même s'il y a n'importe quoi aujourd'hui, c'est pour le meilleur et pour le... Oui. C'est pour le meilleur et pour le... Oui. Ok. Oh, yaya, to. Merci vraiment, famille. Merci. Famille, oh. Oh. Famille. Oh. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir. Par ma voix, en tant que chef de famille, je tiens à dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près comme de loin. Grande a été ma surprise que depuis que ces protagonistes qui ont pris le micro ici, personne ne m'a apprécié ni me dit merci. Alors que Manu Mandjongonda, c'est moi qui ai tout souffert pour tout. À part ma mère qui connaît ma valeur ici. Mais ce n'est pas un problème. Voilà mon petit frère Sangalon qui a passé le temps à me fuir comme le chat et la souris. À avoir peur de moi. Pour finir, me voici. C'est moi qui suis maintenant le Ndjangambumbu. Parce qu'il a tout profité. Le premier colis était piégé. Ça partait chez lui. C'était piégé. Voilà maintenant que le deuxième... On pensait que ça pouvait être piégé, c'était dépiégé. Bon, en tout cas, qu'à cela ne tient, toute chose conclue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je tiens simplement à vous dire, mon petit, félicitations pour tout. Félicitations à tous tes frères, tous tes amis qui sont là. Et vous savez que ce n'est pas facile. D'autres ont fait des pièges à gauche, des pièges à droite, la Blanche est montée. Pourquoi tu as dépanné la Blanche
pourquoi on a dit que la blanche est montée, elle est descendue. Voilà ça aujourd'hui. Ceux qui sont amenés à avoir honte auront honte. Mais moi, je suis là. Je suis seulement le gardien des ancêtres et des crânes aujourd'hui. C'est pas mauvais. On ne sait pas. Peut-être que Dieu pourvoira à ce que la saison 2, ce soit moi. Qui sait? Pour le moment, j'ai perdu la bataille et non la guerre. Que Dieu vous bénisse dans la paix du Christ. Moi, je ne suis pas rancunier dans la vie. Tout ce qui est bien est bien. Moi, en tant que grand frère, chef de famille, et notre belle-mère ici présente, je donne encore 4 casiers. Vous allez comprendre que quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un. Même les casiers que je vous donne là, beaucoup de choses là, c'est même pas que ça sort de mes poches. Vous savez que c'est un peu dur sur moi ces moments. Mais Sangalon est en train de prendre la relève, c'est ça la famille. Donc sachons tout simplement que Landrine Djekwa qui est en Angleterre, il a quand même dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc s'il y a un cuit ou un tarot ici maintenant qu'on va manger, on mangera et on boira une bière. Parce que le bien est... Yeah. Le bien est... Yeah. Voilà. Que la fête soit belle. Que ceux qui veulent boire, boivent. Ceux qui veulent coller, collent. Ceux qui veulent faire le Congossa, fassent. Congossé. Elle me doit 10 000. Hein? Ah, tu demandes tes 10 000 à la mariée. Petit, le moment est mal choisi. Qui l'a invité ici? Qu'on le mette dehors. Qu'on le mette dehors. Et nous ne sommes pas à 10 000 près. Ça, c'est un manque de respect. Nous ne manquons pas l'argent. Bah, je brume depuis longtemps. Nous mangeons l'argent depuis longtemps. Et tu parles à un Sangalon maintenant, un multimillionnaire. Tu connais le service qu'il occupe. Sangalon, il ne connaît pas Alpha Group International. Alpha Group International, transitaire de dernière génération, responsable logistique et transit. Monsieur Sangalon. Mesdames, demoiselles et messieurs, trop parler d'eau soif. Je suis Jean Calagan, le plus chaud de la terre. Je vous aime très, très fort. Mariés sont prêts là. Hello, where is the marié? Ouais, dépêchez-vous, monsieur le maire veut dire, on veut dire tout faire. Moi, je suis pressé. La blanche, tu es déjà prête comme ça? Je suis déjà prête, non. Non. Sangalon n'a pas prévu ta robe de mariée. On est en train d'aller à la mairie, il faut aller avec la robe de mariée. Comment Sangalon a pu faire une chose pareille? Ah, on peut annuler le mariage. Non, on ne peut pas nous faire ça. On n'annule pas le mariage. J'ai un service rapide là, qui font uniquement dans les robes de mariée, toute catégorie. VIP, number one au Cameroun. Nyawedi Fashion. Attends, j'appelle le service de Nyawedi Fashion. Tout de suite. Ce sont des services toujours prêts à servir les clients. Maman, mon beau, vas-y, pardon. Parce que là où je suis là, j'ai envie de pleurer. Allô? Oui, allô? Bonsoir, est-ce que je suis à Nyawedi Fashion? Voilà, ça tombe bien. J'ai besoin de toute urgence sur une robe de mariée, là. Je dois filmer et je vous donne toute la taille et la corpulence de la mariée.
Et vous me dites combien ça coûte. Je sais que c'est moins cher chez vous. Oui, je dois faire honneur à ma belle-sœur. Bon, j'active mon GPS pour vous situer exactement où je me retrouve alors. Comme ça, je vous envoie les coordonnées et la taille de la mariée. Franck, tu réponds, tu donnes ta taille. Oui, allô, Nyawedi Fashion. Effectivement. Tu vas porter la robe qu'il te faut. Ou tu es la femme de bon petit frère ou tu ne l'es pas. En fait, j'ai 1m45 pour 60 kilos là. Ok. Nous vous attendons sur place. Mon beau. Ah. Oui, allô? Oui, quand vous arrivez, avec le GPS, demandez-le au conteneur rouge. Oui, là, on vient vous chercher. Nyawedi Fashion, j'ai confiance. Le maire nous attend déjà. Mais Sangalon, elle est où? Grand, elle arrive, t'inquiète. Ouais, mon frère, on ne veut pas que le maire nous attende longtemps. Mais Grand, où est-ce que tu as pu trouver ces belles jolies robes? Parce que moi, j'ai fouillé partout, je n'ai pas pu trouver. Hein. Mais petit, est-ce que je suis un enfant? J'ai les connexions partout. C'est Nyawedi Fashion. Nyawedi Fashion? Nyawedi Fashion. Ils font dans tout style, toute catégorie des robes de mariée. Et c'est-à-dire que taillé à ta mesure comme tu veux, à ta guise. Est-ce que chez eux, ils font dans la dentelle? Je ne pouvais pas quand même te laisser dans une impasse pareille. Mais. Aïe, Nyawedi Fashion m'a gâté. Mes copines seront jaloux. Wow! Shota, yeah, Jesus Christ on bicycle. Jésus sur la bicyclette. Nyawedi Fashion a changé la blanche. Ouh! Femme, femme, fararam, femme, 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 femme. Fam, 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 fam. Pour l'échappée de Dieu. Mais quand, tu as acheté à combien? Tout ça à bas prix même, hein? Au prix moins que rien. Ça veut dire que c'est les gens qui dispatchent seulement leur conviction. Ça veut dire que ce qui les inquiète le plus, c'est de voir tout le monde être joyeux dans un mariage. La satisfaction des invités, des clients et des mariés, ça fait la joie de Nyawedi Fashion. Hey! Nyawedi Fashion. De la joie, l'amour, l'envie et la satisfaction. Elle vous rend belle, séduisante, attirante et sublime. Elle vous hisse sur un piédestal en cristal. Nyawedi Fashion, elle fait de vous une reine à travers cette nouvelle robe magnifique. Nyawedi Fashion, c'est des sirènes, empires, fourreaux, crinolines, princesses. Nyawedi Fashion, c'est aussi des accessoires tels que des gants, des voiles, des couronnes. Contact 656 12 58 38 675 70 54 34. Facebook Nyawedi Fashion. Nyawedi Fashion, ayez la robe de mariage qui vous mérite.